Coucou les amis. Salut. Bienvenue dans une nouvelle journée de vlog en Californie. Alors ce matin, Kevin nous a mis la télé, je sais pas ce qu'il nous a foutu. Je sais pas, c'est un bruit de fond, moi. Je sais pas. À la maison, on n'allume jamais la télé. Hein. C'est ça qui me fait rire, parce que du coup, on est en vacances. Mais voilà, ce matin, au départ, on avait prévu d'aller manger peut-être un petit truc dans un truc sur la plage, mais après, là, on s'est dit, on va pas perdre de temps à aller chercher quelque chose. On va aller à la plage, mais on va pas perdre de temps à chercher genre un restaurant. Ouais, quelque chose. Qu'on entend les otaries. Alors, on s'est fait des petits cafés à l'hôtel, on a chauffé des petits gâteaux qu'on a achetés hier au micro-ondes. Voilà, là, pour l'instant, ça ira très bien, on chercherait un bon truc à manger pour midi. Et là, ouais, on voit vraiment bien la plage, en fait, de la chambre, quoi. Ça, c'est des deux grandes fenêtres qu'on a de la chambre. Je sais pas si vous voyez en fait là au fond, hein. Mais sur la GoPro avec le grand angle, ça paraît toujours super loin. En fait, elle est très très proche, hein. On va y aller à pied, faire un petit tour. Et ce matin, quand je me suis levée, j'entendais les otaries qui criaient, c'était trop drôle. Donc le programme, là, ça va être une petite balade sur la plage. Après, on a environ 2h30 de route. On va à Santa Barbara, on va visiter Santa Barbara, voir un petit peu, peut-être même les décos de Noël au centre commercial, etc. Ouais, Et après, on va reprendre la route et on s'arrêtera, enfin, on fera une étape, en fait, avant San Diego. Ah non, super. Près de... Non, ça, c'est pas... ça, c'est du lait en poudre. Et du coup, on fera une étape près de... Enfin, sur la route pour San Diego, mais près d'un centre commercial... Je crois qu'il y a un box lunch et il y a un Target de l'autre côté. Enfin, il y a pas mal de trucs. Voilà, donc on va faire un peu les courses ce soir. Et demain, ce sera San Diego. Donc on se retrouve tout à l'heure sur la plage. Voilà, notre hôtel de l'extérieur. C'est vraiment sympa, ouais. Franchement, la vue là-bas, c'est entourée de nature, là, je trouve ça trop beau. Et notre chambre, c'était celle-ci, la chambre d'angle. C'est pour ça qu'elle était aussi grande et qu'on avait d'aussi grandes fenêtres. Franchement, c'était magnifique et Kevin vient de me dire on se croirait au Cheyenne. En fait, ça fait plus maison de plage, donc Arbor House, hein, c'est le nom de l'hôtel, plutôt que Far West, quoi, mais bon. Là, on a tout laissé dans la voiture, on va juste faire un petit tour à la plage. Je me sens nue parce que j'ai rien sur moi à part la GoPro. Hein. Mais après, on repart de toute façon. Donc, on va essayer de voir où est le rocher. Normalement, il est tout près. Il devrait être visible de l'hôtel. Donc, je pense qu'on doit pouvoir le trouver. Si on va tout droit, on le verra. Ouais, bah de la plage, il devrait être visible. On va voir ce que ça va donner. Il a l'air d'avoir le sacré, par exemple. Ouais. En tout cas, il y a de nouveau un beau soleil. Ça doit être le paradis. C'est vraiment agréable, là. Non, franchement, j'ai juste un petit gilet, là. Non, on est bien. Hein. On est plutôt bien. Apparemment, il fait 10 degrés, mais c'est des 10 degrés qui... Pas froid. On est bien. Pour l'instant, cet après-midi, on prévu quoi, 25 ou je fais 20 degrés? Non, 20 degrés. 25, c'est quand on sera à Anaheim. Anaheim, c'est 28 hein, en ce moment. Il fait 28 là-bas. On va crever de chaud. Heureusement que j'ai pris des vêtements légers. J'espère qu'il fera encore aussi chaud quand on arrive. Ouais, c'est sympa, c'est très très calme. Hein. Franchement, c'est vraiment agréable. Et même tous les gens qu'on a croisés, ça n'a rien à voir avec la grande ville. Hein. Là, tu vois que... Tu sais, là-bas, c'était San Francisco, c'était un peu chaud, quoi. Ici, franchement, rien à dire. C'est vraiment cool. Voilà, là, on arrive au bord de l'eau. T'as raison, regarde, il y a le magasin de terre. Oui, je te l'ai dit. Sûrement que l'été, ouais, il y a encore de... Et en fait, on voit l'immense rocher. Et on le voyait, effectivement, de l'hôtel. Et c'est exactement ce à quoi je pensais ce matin. Si on le voit pas, c'est parce qu'il est caché par le brouillard. Donc là, on s'en rend bien compte maintenant qu'on est proche. Mais on voyait effectivement de notre chambre. Mais ici, ils ont beaucoup de brouillard le matin, franchement. C'est parce qu'on est en décembre, hein. C'est connu en décembre pour être très brumeux. Hein. On entend les otaries. En fait, on les a vues tout à l'heure. Elles sont juste là, sur les rochers. Elles sont là, Donc voilà, le rocher, il est là. En fait, il va super loin, hein. Il est grand. Hein. Mais... Ah là, il est caché. Les otaries, elles sont ici, sur le rocher. Il y en a plein, en plus. Il y a des chouettes restaurants, ici. Hein. On entend le bruit des vagues qui tapent les rochers. Et il y en a une qui nage, là. Et c'est une loutre, Charina. Ah non, c'est une autre. J'ai cru, la bouille. Tu sais, parce que toi, elle avait l'air polue. T'as vu que les loutres, il y en avait partout ici, alors du coup.
Bah, on l'a pas vu encore. Non, c'est une odeur qui neige. Qui neige. Ah, t'as vu la vitesse où ça va? Elle était là. Il y en a une qui neige là-bas. Elle était là et en deux secondes, elle a fini là-bas. Non, mais c'est drôle parce que. Si, attends, il y a des loutres. Ah, ils sont le dos là. Oui, oui, il y a des loutres. Là-bas, c'est bien une loutre. Donc, je. T'as raison. Voilà. Donc, j'ai bien vu. Oui, parce qu'elle est sur le dos là. Je reconnais quand même la tête d'une loutre de la tête d'une otari. Oui, donc c'est ce qui était en face de nous là, c'était effectivement une loutre. Mais en fait, elles sont grosses, hein, je m'attendais pas à ce qu'elles soient si grosses. Celles qu'on a vues à Walt Disney World, c'était plus petites que ça. Hein. C'est pour ça que j'ai eu le doute à un moment. Mais donc voilà, on a bien vu des loutres. Depuis hier, on se demandait où elles étaient. Et voilà, là, il y a les otaries et les loutres. Et la mouette qui arrive. C'est vraiment sympa, hein, franchement. J'espère qu'on ait un peu de bouffe. Bah dommage qu'on doive partir relativement tôt pour pouvoir profiter de la journée. Parce que sinon, on aurait attendu que la brume s'enlève pour voir le rocher en entier. Ça doit être impressionnant d'être de se promener là sur mais la baie. Mais ça reste là. Très chouette. Ouais. On doit entendre les vagues et tout, ça doit être. En fait, là, c'est une route, tu y accèdes en voiture, ouais. Tu vois, au rocher là. Pour après, tu peux, il y a un chemin, tu peux faire le tour à pied. Mais tout ça, c'est une route. Et ah bah elle est là, la loutre. Voilà, j'avais bien vu. Elle est juste ici. Oh, c'est adorable. Oh, trop bien. Je suis trop contente d'avoir vu une loutre. Du coup, enfin, on en a vu deux. Regarde, elle fait un bisou. C'est trop mignon. On part mais limite à contre-cœur. On a du retard sur notre planning. Hein. Mais c'était trop mignon, toutes les loutres qu'il y avait, c'est un truc de dingue. En plus, elles criaient et les otaries, elles sautaient comme ça dans l'eau là. Ouais, tu les voyais sauter. Elles faisaient des bonds comme les ça là au-dessus de l'eau. Elles étaient en train de chercher les, incroyable. Coquillages pour les. Enfin, ouais, la loutre qui était tout près de nous, elle allait au fond, elle sortait les coquillages, elle les posait sur son ventre, elle les ouvrait puis elle mangeait ce qu'il y avait dedans. Franchement, trop mignon. C'est vraiment cool, c'est magique comme ah ça ouais, le matin. Non, et vraiment, on les entendait tous crier, quoi. C'est ça le plus dingue. Les otaries, les loutres et tout, c'est... je pensais pas que les loutres ça criait comme ça. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Et nous, c'est toujours notre truc préféré de voir les animaux sauvages. Partout où on va, tu sais. C'est pour ça que j'avais été déçu de New York, moi. Parce que j'aime trop voir les animaux. C'est pour ça que le Costa Rica, c'est un de mes voyages préférés. Ah c'est oui, avec tous les animaux qu'on a vus. C'était incroyable. C'était sympa, ouais. Alors là, ouais, limite, on pourrait rester toute la journée juste à observer les animaux. C'est ça. C'est vrai qu'on en a déjà vu pas mal hein, depuis qu'on est arrivé. On n'a pas vu de dauphin. Hein. Ça sera ma seule petite déception. Hier, j'espérais voir un petit dauphin. Ouais, bon après, peut-être on en verra depuis la plage. On verra bien. En tout cas, franchement, San Francisco, là, c'est vraiment cool. Oui, ça grimpe, là. Oui, ça grimpe. On l'a vu quand on l'a descendu tout à l'heure. Hein. Les jettes de Chérette, la pointe là. Bon, elle est moins longue, hein, quand même. On va retourner à la voiture. Et on va se diriger vers Santa Barbara, non plus. Dans la petite supérette à côté de l'hôtel, il y a la ice cream bar, mais la, genre la vraie de Disneyland. Vous savez, la petite glace en forme de tête de Mickey, là, en ah, bout de chocolat. Ah, oui. Et c'est l'officiel, hein. Enfin, celle-ci, c'est la version Walt Disney World, mais c'est fou de trouver ça là. La musique de Noël. Mais t'as, c'est vert. C'est, franchement, c'est vraiment beau ici. La mer, les montagnes, enfin la mer, l'océan. C'est très très beau. We'll be right back.
arrivés à Santa Barbara. C'est magnifique, il fait super beau, super il fait chaud. Ça c'est le parking, hein. Franchement juste le parking il est trop beau. La vue du parking tout à l'heure. Hein. Ah c'est dingue. Bon c'est très 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 chouette. Rien que la route déjà elle était géniale. Là c'est paradisiaque, hein. Franchement. Ouais. Franchement ouais, avec le vacances, temps et les palmiers, là c'est... Là il y a tout ce qu'il faut là. Je vais vous faire un petit topo sur Santa Barbara. Elle a été fondée en 1782. Et à cette époque-là, c'était une forteresse espagnole. C'est d'où son architecture particulière. Du coup. Ça se voit, oui, ça se voit bien. Et durant tout le 19e siècle, elle demeura un paisible pueblo qui comptait que quelques centaines de familles, vivant principalement de l'élevage. C'est vrai qu'on a vu pas mal de vaches tout autour sur la route. Et il y a eu un séisme qui a ravagé la ville en 1925. Donc ils ont imposé des règles strictes lors de sa reconstruction. C'est pour ça que le style architectural est très homogène. On voit vraiment que... Enfin, ça part pas dans tous les sens, quoi. Là, les maisons, elles sont toutes dans le même style. C'est vraiment ça qui rend la ville très jolie. Hein. Et c'est ensoleillé 320 jours par an. Donc il y a énormément de stars qui ont acheté leur maison ici. Et on comprend pourquoi, parce que franchement, c'est... Ouais, on se sent vraiment en vacances, là. C'est génial. C'est beau. Il y a un Père Noël hawaïen là-bas. À la fontaine avec les dauphins, là, c'est trop joli qu'on aille voir. Le magasin de surf. Il y a un Père Noël surfeur. Il est en tongue. Ah, la vue est splendide. Ça fait rêver, là. Franchement, on est sur une carte postale. Dans un cabriolet là, hop. les cheveux au vent, les palmiers. Elles veulent pas être filmées, elles partent. Les imbêtes aussi. Laissez-nous. Elles, tout ce qu'elles veulent, c'est de la bouffe. Elles sont filmées. Si tu leur donnes de la bouffe, elles viennent vers toi. Pas une petite sardine. C'est trop beau. J'ai peur que de dire ça. Non, regarde là-bas. Et tous les pélicans qui sont alignés. Ouais. Oh. Tu vas les charger? Ouais. Aller voir sa Père Noël là-bas. Elle est super. Ah ouais, c'est vraiment un paysage de carte postale. C'est magique. C'est ça, le requin, on peut se faire. Oui. Bon, il est pas super beau le sapin de Noël.
Mais il est sur l'océan. On s'est un peu enfoncé dans la ville. Et ici, c'est une ville piétonne. Non, tu peux commencer à chercher un restaurant si tu veux. Bon, il y a l'air d'avoir l'embarras du choix. Oh oui. En plein de la tapis, j'en veux pas. Il y a un Père Noël en décapotable. C'est tellement agréable, en plus il fait chaud. J'ai limite trop chaud. T'as du mal à se dire que le mois de décembre. Si, il y a des Pères Noël partout. Oui, ça part les Pères Noël. Là, nous sommes à El Presidio de Santa Barbara. C'est la dernière des quatre forteresses militaires construites par les Espagnols. Ça leur servait à protéger les missions des colons contre les attaques. Et là, il ne reste que deux bâtiments qui sont ouverts au public. El Cuartel et Zecañedo Adobe. Avec mon accent bien dégueulasse. En fait, là-bas, il y a des expositions sur l'histoire, tout ça. Et en fait, c'est un site archéologique ici, quoi. Et les cloches, là-haut. Là, c'est la chapelle. On peut pas entrer, j'espère qu'on voit quelque chose à la caméra. Il y a la tour d'observation. Il y a des jardins aussi derrière. Et ça, c'est juste derrière Presidio. C'est la maison du majordome. Comme c'est mignon, hein. Une petite maison là, elle est trop fou.
Et là, c'est le palais de justice de Santa Barbara, construit en 1929. Et il est inspiré des premières missions de la Spanish Colonial Revival. Il est inspiré des premières missions coloniales et il est classé historique depuis 1926. Mais après, normalement, tu devrais pouvoir monter en haut de la tour pour voir le sein. Il est magnifique en tout cas. C'est très très joli. Le parc, il est tellement apaisant, la vue sur les montagnes, c'est trop beau. Donc ça, c'est l'arrière. Les dessins sur le bois là, c'est magnifique. Je sais pas si t'arriveras à filmer les poutres, mais c'est magnifique. On va les mettre en dessous, mais regarde, même les, ouais. Là, les lampes, elles sont trop belles. Même les mosaïques, là, le travail, c'est vraiment sympa. On est à la bibliothèque, bah la bibliothèque elle est fermata. Hein. Parce que la façade elle est magnifique, mais bah du coup il y a des palissades devant. Donc ce sera pour une autre fois. On va aller à l'église qui est au bout de la rue et qui est trop belle. Donc ça, c'est la chapelle Our Lady of Sorrows. Donc Notre-Dame des Chagrins en gros. C'est une chapelle catholique construite en 1782, en même temps que le Presidio, pour servir à l'armée espagnole. Donc oui, je crois que sur internet, ça traduit ça par Notre-Dame des Douleurs. Elle a été détruite lors d'un incendie en 1865 et reconstruite en 1867. En 1904, ils ont rajouté des tours, mais il y a eu un tremblement de terre 19 ans plus tard, et ça a ravagé entièrement l'église. Du coup, elle a été reconstruite en 1929. Et c'est comme ça qu'on la voit aujourd'hui. Et là, c'est toujours l'église. On fait le tour. C'est vraiment joli. Par contre, c'est dommage, c'est fermé. On va peut-être trouver une petite porte pour rentrer, mais toutes les grandes portes autour sont fermées. Et on va tenter ensemble. Est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? Oh oui. J'ai réussi. Donc attends, je vais déjà voir la statue. C'est très joli. Là, on peut rentrer par la petite porte juste là derrière. On est tombé en plein milieu de la messe. Mais du coup, elle était en rénovation à l'intérieur. Il y avait des bâches un petit peu. Et dans tous les cas, elle est beaucoup plus jolie dehors. Hein. Ça vaut pas nos églises à nous. Enfin bon, après, je sais que dans certaines villes, les églises, même en France, maintenant, elles sont plus trop terribles. Mais. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est les églises, même chez nous, les églises où on va, elles sont superbes. L'intérieur, genre l'église de mon village d'enfance, là où on s'est marié, elle est magnifique à l'intérieur. Donc là, c'était. Voilà, vous avez rien loupé, hein, vous inquiétez pas. De toute façon, je sais pas si j'aurais osé filmer à l'intérieur de l'église. En tout cas, là, on a vu les principales choses à voir en extérieur. Ah bah, il a trouvé une cathédrale là-bas. Lui. En vrai, il reste le centre commercial, qui est très joli aussi à visiter. Donc on va y aller tranquillement. Et c'est juste dommage, la bibliothèque, on n'a pas pu voir la bibliothèque. Oui, c'est juste dommage pour la bibliothèque. Dommage. J'aurais été curieux de voir l'intérieur, si c'était aussi bien travaillé. Si ah non, en fait, la bibliothèque, c'est la façade qui est jolie. Ouais, l'intérieur c'est moderne. Quand je me suis renseignée, l'intérieur, personne n'en parle, donc ça doit pas être spécial. Mais oui, c'est vraiment très joli. Je suis curieux d'aller voir l'intérieur. Non, mais vraiment dans le coin de la ville, avec toutes les choses à voir, tout est réuni à distance pédestre. Quoi, hein. On n'a pas besoin de la voiture ici pour visiter. Là, depuis tout à l'heure, on a traversé toute la ville. Bon là on est plutôt loin de là où on a garé la voiture. Hein. En même mais temps, on avait pris visiter la ville. Voilà. Mais visiter la ville à pied, c'est très faisable. Hein. Honnêtement, ça oui, sert à rien de prendre la voiture pour aller à droite à gauche. Quoi.
Là-bas, après, on va juste passer encore. Il nous reste le théâtre à voir. Et par contre, la sorte de cathédrale qui est au bout là-bas, je sais absolument pas ce que c'est. Ouais, bah je suis curieux. Donc, on va aller voir. Bah, en fait, de loin, ça paraissait énorme. Alors, il a voulu aller voir, mais c'est juste l'église épiscopale. Il n'y a rien de particulier. Mais il y a une jolie fontaine là-bas. Là, il y a pile le soleil derrière, alors franchement, je sais pas si on verra grand chose, mais c'est le théâtre Arlington. Du coup, avant c'était l'hôtel Arlington, mais il a été détruit par un tremblement de terre en 1925. Du coup, il a été reconstruit en cinéma en 1931, dans un style colonial espagnol, hein, pour aller avec le reste de la ville. Il a été rénové en 70 et rouvert en 76. Et donc en fait, à l'intérieur, il y a une grande cour ouverte, une fontaine. Il y a une salle, une seule salle de 2000 places et un balcon avec un orgue qui est caché dans la salle de cinéma. Donc en fait, c'est comme si on avait l'impression d'être au milieu d'une plaza de village espagnol. Bah ouais, on va aller voir. Mais sinon, ce qu'on voit en fait là-bas, c'est... Mince, il faut que je traverse la route parce que du coup là on voit absolument pas. Donc voilà, on voit là-bas le Granada Theater. Ah, oui. Et ça, ça a été construit en 1924 et c'est le premier et l'unique bâtiment à 8 étages de Santa Barbara. Donc voilà, en fait en gros il est connu pour ça. Hein. On voit la façade qu'on voit là sur le long de la rue, elle est vraiment très belle, je vous la filmerai quand on se rapproche. Et du coup là on rentre. C'était le Arlington Theater, donc le cinéma. Et c'est vrai que c'est vraiment très très chouette. Hein. Et là actuellement il y a des films de Noël à l'affiche. C'est trop mignon et tu sais à quoi ça me fait penser ça? Au Coronado Springs. C'est beau. Bon, c'est très très bien fait, hein. C'est vraiment chouette. Là, bon, on va pas pouvoir nous rentrer dans la salle de cinéma parce qu'on va pas voir de film, hein, mais... C'est en étant dedans qu'on a l'impression d'être sous un ciel étoilé. La salle apparemment est très belle et ils diffusent aussi le Casse-Noisette en ce moment. C'est très très sympa. Ah voilà, c'est ça la belle façade du Granada Theater, donc l'immeuble de 8 étages. Et bon, je sais pas combien il y a de salles de cinéma par contre dans celui-ci. Il doit y en avoir un peu plus. C'est vraiment joli. Hein. Donc voilà, on a trouvé la dernière chose à visiter ici. Le centre commercial historique El Paseo. Je sais plus si ça se dit pas comme ça, mais... Là-dedans, il y a plein de boutiques, de restaurants. C'est vraiment le grand centre commercial de Santa Barbara. Et apparemment, à l'intérieur, c'est super joli. C'est drôle, hein, il faut passer plein de petites portes. Mmh. Ah bah c'est là, la Casa de la Guerra. Le tout dernier truc à voir. Qu'on voulait pas voir. C'est le seul truc qu'on n'avait pas prévu d'aller voir. Ah c'est ça la maison du conquistador. Et au final c'est ça. Ah bah ok, on va pas. Donc voilà, donc comme ça on l'aura vu. Et comme je te disais, c'est moche. C'est moche. Donc voilà. Ce qui fait qu'on aurait vu absolument tout ce qui était sur ma liste de choses à voir à Santa Barbara. C'est vrai. Même sans faire exprès. C'est un labyrinthe, c'est dingue. Regarde, il y a plein de petits passages. C'est fou quand même.
puis les restaurants, ils sont comme ça, chacun dans son petit coin. Hein. Je comprends pourquoi les gens ils viennent ici pour visiter et pas seulement faire du shopping. Je n'aurai jamais de vie dans un centre commercial. Et voilà, donc juste en dessous du El Paseo historique, il y a le Paseo Nuevo, donc le centre commercial moderne, avec toutes les enseignes internationales modernes. Et là-bas, je vois un Panda Express. Centre commercial moderne, mais ils ont quand même oui, fait... Oui, oui, non, la décoration, bien sûr, bien ça sûr. Fait, par rapport à l'historique qu'on a vu là, il y a 5 minutes, c'est toujours dans l'ambiance, hein, oui, franchement, oui. C'est bien reproduit. Ça reste, ouais, ouais, ça reste vraiment dans le thème. Contre, j'adore. Ça reste vraiment dans le thème. Je fais une photo devant le mur de sucre d'orge. Ah oui, c'est tout. C'est sûr que ça respecte. C'est fait exprès, hein. Toute la ville doit respecter. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, là, c'est le centre commercial moderne. Hein. C'est le centre commercial du 21e siècle. Avec que des choses d'aujourd'hui. Oui, c'est sûr qu'il n'y avait pas de foot blocker à l'époque. Ouais. Hein. Non, mais l'autre là-bas, avait vraiment, avec les restaurants et tout, c'était vraiment l'historique qui est là depuis très 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 longtemps. Celui-ci, il est récent. Très joli. On a pris Panda Express et on mange dehors parce qu'il fait trop beau. Mmh. Kevin a pris riz blanc vapeur avec poulet aux champignons et poulet à l'orange. Et moi j'ai pris des nouilles avec des légumes, juste nouilles et légumes, et les petits trucs au fromage là. Hop. Les petits trucs au fromage. Et pour le dessert, on a pris des apple pie rolls. Du coup, vous vous souvenez l'année dernière quand j'ai voulu du poulet vapeur VG et qu'il a dit oh, mais on en a plus et on n'a pas envie d'en préparer. Bah là, ils en proposent carrément plus à la carte, comme ça c'est fait. Mais bon, je suis contente quand même de manger Panda Express. Bon appétit. Ouais, c'est une petite glace. Peanut butter. Mais c'est un genre de Wheezy's avec. Des morceaux de chocolat et en dessous c'est peppermint et ça c'est single hein. C'est genre une boule mais en deux parfums un peu comme à Salt and Straw, ils font beaucoup ça ici. On va retourner un petit coup sur la plage avant de reprendre la voiture. Parce que je voulais une pop qu'on n'a pas trouvé. Ouais, ouais, à mon avis, c'est en rupture de stock dans tous les magasins. Ça sera très compliqué à trouver, à mon avis. Et on a largué nos bagages à l'hôtel. L'hôtel, c'est Motel 6, hein, donc il n'y a rien à voir. C'est dégueu, oui, c'est un Formule 1 de chez nous. En fait, quoi, ouais, hein. Mais bon, là, disons que dans les environs, il n'y avait pas grand chose. Donc, juste pour qu'on passe la nuit. Et puis, voilà, c'est ça. Et maintenant, on est au centre commercial de Ox. On va se balader. Bah, je ne pourrais pas avoir un plan ou quelque chose. Tant que tu te rappelles que c'est là qu'il faut qu'on sorte. Bah, y a pas pour la voiture. Bah, C'est trop beau les décos de Noël. Ici c'est en plein air. Les escaliers avec la fontaine, c'est super chouette. Les centres commerciaux aux US, ils envoient toujours du lourd. Ah oui, ça c'est parce que ça n'a rien à voir avec nous. Il aime bien cette musique, il la chante, on l'aura entendu au moins 5 versions depuis qu'on est là. 5 versions différentes. Ah oui, c'est trop chouette. Il y a une grande boutique Vans. Moi j'ai fait une petite tout à l'heure à Santa Barbara.
très très sympa. Hein. Ah, une boutique de Noël, là. Bon, on vous montrera quand on sera à Boxton. Ah ouais, ils font toujours des marches comme ça, là, c'est trop beau. Ouais, c'est trop beau. On paraît vraiment à la fin de ta barbe. Là, on est chez Spencer's. Regardez leurs pulls de Noël, ils sont complètement dingues. Il y en a de partout, sérieux, sérieux. Mais les Rick et Morty qui s'allument, ils sont excellents. À part ça, c'est rien. Hein. Ah oui. Parce que là-bas, il y en a plein, là, les gars. Oh, trop bien, oui, ils sont horribles. Ah bah tiens, regarde celui avec les guirlandes, là. Tiens, je te verrais bien avec le sapin, moi. Celui-là, sapin de Noël, ouais. Il est trop moche. Ouais, je te verrais bien avec celui-là, moi. Merry fucking Merry everything. Oh non, sérieux. Regarde celui-là. Oh là là. Et alors moi je veux celui-là avec le petit renne en peluche dessus là. La maison du Père Noël. Oh et là-bas il y a un truc trop génial. Faut qu'on descende voir. Il y a le Père Noël, c'est trop beau. Il a fait coucou le papa Noël. Franchement c'est trop beau. Regarde, tu peux faire des tutos, des photos avec ton toutou. C'est trop cool. C'est magnifique. Tu viens avec ton chien et une photo avec le Père Noël. Waouh. Oh mais c'est trop beau. Mais c'est beau. Génial. C'est trop beau. Centre commercial, c'est le mal. Il y avait un Spencer's, j'ai déjà vu plein de trucs que j'aimais. On sort de Hot Topic, on a vu des trucs de ouf. Là, il y a un Miniso. Non, mais c'est vraiment le mal. Hein. La boutique, elle est gigantesque par rapport à ce qu'on a en France. Et ah, là, il y a Box Lunch. Bah oui, je te l'ai dit. Oh là là. Horrible. Je veux tout. Je veux tout. Il y a trop belle chose. Oh là là. La boutique, elle est dingue. Regarde le pull. Ah ouais. Oh, le livre de cuisine. Il y a un t-shirt à Dess. Oh. Hi. Oh, mais il y a trop de belles choses là. Oh, punaise. Voilà, ça c'est tout ce que j'avais repéré sur le site. Je pense que je vais acheter mes plein de fringues. Je vais refaire ma garde-robe là. Oh là là, les aristochets, il est trop beau. Le Mickey là, je l'adore. C'est trop classe. Regarde les deux. Oh, ah. Un sac à main, il est beau. Ah, c'est un sac. Je vous fais un tour rapide parce qu'après, je vais prendre moi bien le temps de regarder parce que. Là, franchement, je sais plus où regarder, il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs. Regardez ça, ça. C'est beaucoup trop beau. Ouais, je pense que je vais regarder les fringues. Déjà, Hot Topic, j'ai vu un long choix de Ghibli qui me tente, mais de dingue. Alors, je vais voir ce que j'achète ici. Avant de voir si je retourne le chercher ou pas, parce que comme la place dans les valises n'est pas illimitée, il faut faire des choix. Mais, oh là là-bas, le Longfly Seigneur des Anneaux. Ça, mon frère, il serait dingue. Oh là là, trop bien. Trop bien, oh mon dieu. Ce rayon là, déjà, je suis foutue. Bon, je vais vous laisser. Je vais faire mon shopping. J'ai pris juste deux petites pinces à Miniso comme j'avais déjà à la maison pour fermer les paquets qui sont ouverts. Non mais. Et moi j'ai rien pris, j'ai pris un petit porte-carte. Ouais, un petit porte-carte à Hot Topic. On avait vu des pêches, on a vu des belles choses, mais on a été sages. J'ai essayé plein de trucs et tout. En fait j'ai peur d'après voir encore d'autres choses et de plus avoir de place dans la valise quoi. Donc, j'ai vu plein de trucs hein. Mais j'ai rien pris. Je me reconnais pas. Et pourtant on a vu des honnêtement. On les a vraiment, on les a essayés. Je me reconnais pas. On s'est dit non. Du coup là on s'est pris des petits sandwichs chauds à Starbucks. On va faire le plein de la voiture et puis on va se coucher. Thank you. Bon allez, à demain pour San Diego.